J'ai travaillé en tant que scaphandrier. Mon père construisait des ports. Donc il y avait différentes villes. On a fait Tantan, on a fait Layoun, on a fait Darla, on a fait toutes ces villes-là. Et là, j'ai appris à surfer tout seul. En surfant tout seul pendant 2 années, j'ai eu ce déclic. J'ai cherché à surfer des vagues complètement différentes de ce que les gens surfaient dans mon pays. Sur une feuille, je fais mon programme. Tous les jours, les différentes options de vagues, avec les heures des marées, le coefficient, tout ça. Donc, j'organise tout sur un papier. Quand on veut surfer des vagues parfaites, et surtout les vagues que moi je recherche, les vagues généralement creuses, si tu veux scorer, tu es obligé de faire des kilomètres. La chose à laquelle je pense le plus souvent quand je stresse tout ça, c'est à mon fils. Je pense au bon moment que je passe avec lui. Ça m'aide à faire passer un peu toute cette appréhension qui pourrait nous déconcentrer ou nous faire paniquer. À ce moment, j'ai lâché la corde, j'ai pu avoir peur, j'ai pris une décision et je dois assumer cette décision.